Bonjour à toutes et à tous, c'est Cosmo là pour une nouvelle vidéo en compagnie de Tom Bobby. Salut. Alors, j'enlève ça comme mode. En tout cas, on se trouve pour une map redstone. C'est ouais, donc c'est un bunker redstone, ultra sécurisé, nanana et tout blabla. Ouais, voilà. Donc je pense que la vidéo originale sera dans le lien. C'est ça? Ouais. C'est dans la description. Donc on va déjà se mettre en game mode. Merde. Game mode 1-0, merde. Hop. Et donc on a un XP, c'est super trop génial. Donc, alors, au début. Donc faut drop un, faut drop ici. Donc voilà, on drop un objet ici. Et ici. Ça ouvre un pont avec des blocs de slime, tout ça. C'est voilà, ça c'est l'entrée déjà, c'est hyper stylé. Mais attends, t'as pas montré la principale chose à l'entrée du style. Donc si vous. Là, il y a des petits fils, si vous approchez trop près déjà. Là, vous voyez qu'il y a ça qui s'invoque là. Et vous perdez de la vie. Donc, c'est les droppers qui sont en bas là. Que là, voilà. C'est un caca. C'est bon, en game mode. Donc, on va se remettre en game mode. Hein. Game mode 1. Voilà. Et on va se remettre en game mode 0. Mais non, ça sert à rien. Bon, ok. Sur la présentation, c'est comme Zolidi. Après, il fallait faire quoi là. Donc là vous arrivez. Donc vous entrez dans le bunker. Donc là déjà il y a Attends, là il faut se mettre en game mode. En game mode 1 pour vous présenter donc la principale défense qui est ici. Allez, ouvre-toi Jean-Louis. Les FPS chutent et là donc voilà, c'est un système de 14 FPS. Mec, arrête ça mec 14 FPS. Arrête ça. Allez live. Mec, ça va être gros. Ça lag, hein. Donc, on va arrêter ça. Ça fait lag. Après, donc, il y avait ça qui allume toutes les lumières du bunker. Ouais, voilà. C'est tout très joli. Donc là, voilà, c'est le... on a un pack. Donc, voilà. Donc, ici, c'est une salle... banale. Ah non, pas banale. Mon souvenir. Il y a, je crois, quelque chose ici. Ah voilà, donc voilà, ça ouvre un passage. Et ici, il y a un bouton quasiment inaccessible. Ouais. Alors nous, vu qu'on est comme tout bon joueur de Minecraft, qu'on est, hein. Bon, on pète un bloc. Voilà. Allez, au revoir. Allez, salut. Et là, en gros, ça ouvre un trou. Ouais. Ouais, et il faut aller hyper vite. Go. Oui. Super. Mais... Attends, mais j'essaye. Quoi? Ne rage, quitte pas. Et saute. Mais Jean-Louis, je donne les billets. Voilà. Pire, tu vois. Oups. Attends. Non. Attends, je remets juste. Donc là. Et toi, je vais genre ouvrir hyper vite là. Oh non, on peut plus faire une petite ellipse, t'es un con. On arrive. Donc voilà, on a fait l'ellipse. Donc là, je vais pas vous montrer, mais en gros, si vous rappuyez là, les blocs de slime vont monter. Vous allez voir. Donc, après, nous, on le fait pas. On le fait pas pour une certaine raison que je ne citerai pas. Donc après, ici. Ah voilà, donc ici, c'est une salle, en gros, avec tous les systèmes redstone pour les petits curieux. Mais on va pas le montrer, ça mettrait trop de temps. Surtout parce que je m'y connais pas. Voilà. Bref, allez, on continue. Donc voilà. Ok, d'accord. Ce bouton, non, c'est ça. Voilà, donc ici, ça nous ouvre la porte pour un dortoir. Hein, voilà, super. Un super dortoir. Donc voilà. Après ce bouton. Attends, vas-y, monte. Ah, voilà. Donc ce bouton, oui, donc c'est là, un passage qu'on ne peut pas refermer. Oui, voilà, c'est ça. Un passage qu'on ne peut pas refermer. Vas-y, et le code, je crois que. En fait, je vous explique. Attends. En gros, Il y a un piège. Il y a un piège. Si on passe, je viens de le désactiver. Donc, donc là, il y a un piège que Goldmalloc vient de désactiver et qu'il faut reset. Ah, avec le levier là. Voilà. Ça va, reset, tu crois. Repasse. Ah, non, c'est les lumières. Okay, on va taper c'est le bouton là. Ah oui.
Donc là, ça a du reset, pas du tout. Non, 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 enfin, en fait, je crois que ça va être le code. Et donc, en quoi, du coup. C'est 1, 4. Fail. T'es non, oui, c'était fail. C'est 1, 4, 3, 2. 1, 4, 4, 3, et 2. Ça, c'est le code. Je sais pas si ça a reset. Ouais, voilà. Ah, voilà, vous voyez, ça a reset le piège. Donc, après. Une petite table d'enchante. Donc là, là c'est une table d'enchante en bas et vous dites ah pourquoi il y a deux planches autour. Ne serait-ce pas des bibliothèques? Et si? Merde. Donc là il faut drop un item. Du coup que je n'arrive pas à drop. C'est pas drop. C'est quoi ce qui voilà. Voilà. Et donc là ça monte les liens. Drop au-dessus de la table d'enchante parce que je suppose qu'il y a un bon pur et qu'il faut drop bien ici. Ouais voilà. Ça marche pas. Et donc voilà, donc c'est avec les bibliothèques, on vous montre pas, mais si on redrop un item, ça referme, mais on vous montre pas. Attends, attends, attends. Voilà, il ne fallait pas remontrer. Allez, super. Hop, voilà, allez, retourne-toi derrière toi. Si, si, mais il y a encore ça. Ah oui. Donc là, il a mis une petite table en diamants. Et si vous appuyez là, ça change. Alors ça, c'est vraiment un truc que je trouve hyper fun. Il y a trois armures différentes. Ouais. Il n'en a fait que trois, mais c'est déjà super bien. Donc là, les frigos. Quand même, les frigos, sont pas des frigos. Ouais. Donc, en fait, on va passer un peu des trucs, on met des armures dedans. Donc, on en place. Et là, il faut cliquer bien entre les deux blocs, comme ce qu'on a fait. Ouais. Ça, des wagonnets. Voilà, donc c'est un système de wagonnets hyper connu. Voilà. Et donc, voilà. Alors, donc là, il y a plus de stuff. On va marquer un wagonnet, là. Marquer wagonnet. Hop. Vas-y. Donc, maintenant. On va mettre l'armure. Les gens trouvent. Voilà. Après derrière, il y a. Là. On montre un dernier rouleau. Ah oui. Donc, oh, je peux le. Ouais. Donc là, il donc là, en fait, c'est. Ah non, mais attends, 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 attends. Ouais. Chaque chose en son temps. Ouais, il faut d'abord montrer ça quand même. Ce qui est quand même un truc hyper stylé. Donc en fait ça. Donc là, vous voyez, c'est un tableau de bord. Donc là déjà, si vous faites ça, ça va reset le piège, le trou là. D'accord. Ça non, ça l'active. Ah oui, ça l'active. Voilà. Donc voilà, donc là il y a, vous voyez, il y a dans cette salle des plein de cellules, donc toutes, à peu près toutes fermées, je crois, sauf une. Et Donc pour les numéros, vas-y, on regarde les numéros. Ah oui, il faut, ouais, c'est voilà. Ça. En fait, sur les pancartes, il y a marqué les numéros. Donc là, R hashtag 1, B hashtag 1. Donc vous les activez. Donc là, vous voyez, donc, B hashtag 1. Et tout en haut, ouais, R hashtag 1. Et R hashtag 1, donc c'est donc deux boutons. Et ces deux boutons vont donc ouvrir les cellules. R1 et B1 sont ouverts. Et bon, donc voilà. On ne va pas les refermer. Faut la fermer, oui, il faut refaire, mais on va pas vous montrer, c'est très chiant. Alors, après, donc après, le truc le plus swag peut-être de cette map. Donc c'est simplement, on est bientôt à la fin. Non, non, c'est pas moi. Et donc là, vous voyez, donc c'est un ascenseur, un véritable ascenseur. Ça, donc là, voilà, donc là. C'est vrai qu'il y a hyper vite, attends, vas-y, on va voir où. Vas-y. Et donc là, ça nous a fait tomber dedans cet endroit, ce bouton, je sais plus ce qu'il fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, voilà. C'est un véritable, c'est un jardin intérieur. Donc voilà. Si jamais, voilà. Il peut être attaqué, et voilà, retourne-toi, il y a un truc. Voilà, là, il y avait des cultures. Ah, ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, voilà, des cultures. Des cultures, vas-y, remonte en haut. Ah oui, voilà, je me disais. C'est une dernière et salle. Et la dernière salle, voilà, donc ça fait juste une salle. Le pouvoir fermé, ouais, voilà, si vous êtes poursuivi, là, vous pouvez mettre des items. Mettre des items, exactement. Voilà, et voilà. Ah, et voilà. Je ressors. Et voilà. Ouais, il peut, super. On met un petit slash wither. Et voilà. Donc là, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, tout ça. Ça. Ouais, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et tiens, un petit système redstone. Hein? What? 3, 1, ah oui, donc 3, attends, 1, attends, c'est où le 3? Le 3 il est là? Oui, 3 au-dessus, 1, 1, 4, et 2.
What? Qu'est-ce que ça fait? C'est très bizarre. Bonjour. What? J'avais même pas vu ça. Ah oui, ça oui, c'est peut-être comment on fait la machine à code. C'était une présentation comment on fait la machine à code. Je pense que c'est comment Ah oui, ça doit être sûrement ça. on fait. Bon, allez. Ouais. Et voilà. Ah, et ça, c'est la présentation de la machine à armure. Ah oui, voilà. Le Alors, on va. bouton est là-haut. Ouais. Et si on appuie. Donc, ça va changer d'armure stand. C'est assez cool. Par exemple, si on prend des armures, alors. Par exemple, si on prend des plastrons, on prend hop, trois plastrons. J'arrive pas à le prendre. Si on prend trois plastrons et que, par exemple, je les mets, par exemple, à lui. Là, en dessous, je vais mettre de l'or. Et là, du fer. Et bah, comme vous pouvez voir, vous allez voir que ça a marché. Hop. Voilà, c'est en fer. Et enfin, celui en or. Donc là, voilà, c'est un petit truc instructif. Voilà comment on fait les trucs. Et donc, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce map. Donc, la vidéo originale et le lien de la map et le lien, bien sûr, du youtubeur sera dans la description. Oui, et pour télécharger la map, c'est très compliqué.